partager ce moment avec nous, donc Michel, Suzanne et moi-même et bien d'autres. Avant de commencer la projection, je vais vous raconter un peu comment est né ce projet. Donc en 2009, nous sommes arrivés à Montfermeil. Le maire montre un petit livret, un carnet de voyage sur la ville de Montfermeil et réalisé donc par Monsieur Duvoisin. J'ai tout de suite adoré... Et ses élèves, pardon. J'ai tout de suite adoré la réalisation, le dessin, enfin l'ensemble du carnet de voyage. Et je me suis rendu compte, quelques mois après, que Monsieur Duvoisin était mon voisin. Est née l'idée de créer, donc, de produire un documentaire. Alors il y a eu un premier documentaire qui s'appelle Michel Duvoisin, aquarelliste, où on voit Michel dessiner étape par étape une peinture. Un an après, c'est terminé, donc celui que vous allez voir. Donc bonne projection à tous et à tout à l'heure. Maintenant, on a la possibilité, puisqu'on a l'artiste sous la main, de lui poser quelques questions. Elle vous répondra. Merci, merci bien. Donc, comme promis, on a prévu vaguement un débat. Bon, un débat, on ne va pas se fâcher, il n'y a pas de rien, mais il y a sûrement des questions que le film a dû susciter. Justement, pourquoi est-ce que tu te diriges un peu vers l'eau, alors que finalement, ça fait des années que tu veux travailler dans l'eau, et tu t'y mets à ta soupe? Ça fait partie un petit peu de... Ce que je disais, c'est les carnets de voyage depuis je fais du carnet de voyage, parce que moi j'ai découvert ce travail dans la nature grâce à mes élèves. En fait, sinon je l'aurais jamais fait, sûrement. Et donc, sur la nature, on travaille différemment. Les aquarelles, elles sont pas bien finies dans les coins, comme je faisais avant. Là, on voit, il y a des, celui qui est là-bas, notamment, là où on voit les piliers et pierres, là, avec le, bon, ça, c'était d'équerre, c'était carré. Maintenant, je m'échappe un peu de tout ça. Donc, s'échapper de tout ça, ça laisse aussi un petit peu de liberté. Et pourquoi pas finir par quelque chose d'un petit peu plus fluide, simplement, quoi. Mais je vais pas travailler, je vais, à mon avis, personne ne me connaîtra comme aquarelliste dans l'eau, enfin, on ne sait jamais, mais je pense pas, quoi. C'est pas ma technique, c'est pas mon ressenti. Donc je le fais un petit peu parce que c'est assez plaisant. On crée des effets un peu graphiques, c'est assez joli, mais bon, c'est pas ma spécialité.